Bien, salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une petite vidéo sur GTA 5 Online course. Voilà. On va couper la radio. Voilà, petite course de GTA 5. Voilà. Alors là, vous voyez la voiture que j'ai prise, c'est moi qui l'ai choisie, sauf qu'il n'y avait pas d'autres véhicules, sinon ils étaient non customés. Excusez-moi pour la qualité aussi, j'ai regardé la dernière vidéo que j'ai faite, la qualité n'était pas super que je trouve. Je vais essayer d'arranger ça, je vais essayer de trouver des trucs pour avoir une bonne qualité, tout ça de ouf. Et déjà, je trouve déjà de vous rajouter des intros et de vous rajouter une intro de fin. Et plus. Et plus la petite photo au début, ça fait un petit plus. Ça donne déjà un peu plus de mieux sur la chaîne que comparé à avant. Avant, je mettais des intros, tout ça. Mais je les mettais quand j'avais assez de place en fait sur le téléphone. Et là, comme j'ai beaucoup de place sur ce téléphone, j'en profite, je le fais. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de la place normalement. Après, si j'ai plus de place, je sais comment faire pour en refaire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours les vidéos de GTA. Hein. Merci à tous les abonnés qui s'abonnent. Là, comme là, on est monté à 221. Si on pourrait tester à avoir les 230, ça serait bien. Après, monter petit peu, c'est super bien. Ça fait vraiment plaisir de monter petit peu. En tout cas, je remercie tous ceux-là qui s'abonnent et même je remercie tous ceux-là qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps. Voilà. Et je remercie ceux-là qui laissent des commentaires et qui like les vidéos, qui partagent les vidéos, tout ça. Comme ça, ça aide la chaîne aussi de partager et de mettre des likes et de s'abonner. Hein. Ça aide la chaîne et au moins ça me fait voir qu'il y a vous, des abonnés, qui regardent les vidéos. Voilà, bon moi on se retrouve tout de suite à la prochaine course. Eh bien, voilà, on se retrouve encore pour la pour une autre course. Voilà, cette voiture, presque personne la prend pour faire les courses. Hein. Moi, je la prends parce que je trouve que son stylet, elle est stylée. C'est une bonne petite voiture de course. Quand vous faites des compètes, tout ça. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, là, vous n'aurez pas normalement pas que deux courses parce que je viens de voir que sinon ça met... Là, on est que à 3 minutes et quelque chose. Ça fait pas beaucoup. Après, on va voir celle-là, combien elle dure. Et si il nous reste un peu de temps, je vous mettrai... on fera une autre course juste derrière. Je pense qu'on fera tout le temps trois courses. Normalement, moi, je voulais faire que deux courses par deux courses, mais là, si les courses sont pas assez longues, en fait, c'est si la course est assez trop longue, il y en aura que une ou deux. Mais si les courses sont pas longues comme la première, il y en aura deux, trois. Après, faut voir la deuxième aussi. Sur la deuxième, elle peut être. La première elle peut être très petite, mais la deuxième elle peut être très grande. Comme celle-là, là, je crois qu'elle est un peu grande. Regardez, là, on vient juste de passer le deuxième tour. Que sur l'autre, on a déjà presque fini, je crois. Oui, on avait fini, il me semble. Cette voiture-là, je l'aime bien, elle est contrôlable. Très contrôlable. Voilà. Bien sûr, à un moment, comme je l'ai dit, il y aura plus de courses, tout ça. Je vais en recréer plein. Je vais créer plein de courses, tout ça. Des courses normales comme ça. Je les publierai. Et voilà.
Comme ça, vous pourrez les tester chez vous et moi, je les testerai en vidéo. Au fait, pour le concours pour l'instant est mis sur pause parce que je crois que je ferai une fois la compétition. On va faire une compétition très très facile. Faudra juste monter dans le train avec le véhicule que vous voulez, mais il faut que le véhicule reste avec vous dans le train. C'est-à-dire, si vous voulez une moto, tout ça. On se retrouve pour la prochaine. Voilà, alors encore tout seul, on reste tout seul, je crois qu'on va rester tout seul. Parce que là, il n'y a personne qui est connecté. Il y a du monde qui est connecté, mais pas sur GTA. Alors là, j'arrive pas à faire comme la salle, aller vite direct. Ça, j'y arrive pas, alors on s'en fout. Tant qu'on a une petite course. Alors, peut-être prochainement, il y aura des courses avec des abonnés, hein, bien sûr. Demandez-moi vraiment pour passer dans les vidéos avec moi, tout ça. Voilà. Comme tout à l'heure, je disais, juste avant que je vous mette une petite coupure, je ferai que un petit truc. Alors, le but, ça sera de monter dans le train. Dans le train, oui, dans le train, dans un wagon. Et le premier qui arrive à monter dans le train trois fois gagne le défi. C'est-à-dire vous avez trois fois, moi je serai dans le train, je vous regarderai et vous aurez trois fois. En fait, vous devez monter trois fois avec vos véhicules. Si c'est une moto, non, une fois en fait, parce que ouais, une fois. Allez, une fois, le premier qui arrive à aller où je serai dans le train aura gagné et soit une petite pub, soit une activité modée que j'ai créée, ou soit l'activité modée elle est créée juste pour gagner, pour vous donner de l'argent en fait et de l'RP. Et alors vous aurez droit de soit la pub pour votre chaîne, soit faire l'activité modée pour gagner de l'RP et plus de l'argent. Beaucoup normalement. Bon, pas trop, mais par manche, vous devez gagner 20 000. 20 000. Ça vous va. 20 000 par manche, il y a 7 manches. Vous faites le petit calcul et vous me le dites dans les commentaires. Vous faites 20 000 fois 7. Ça fait 20 fois 7, vous faites. Et vous rajoutez 3, 2 ou 3 0. Voilà. Non, là, on va durer encore jusqu'à 12 minutes 40. Et nous, on va se retrouver tout de suite. Eh bien, ouais, encore et encore. Dernière course. Là, dernière course. Dernière course pour cette vidéo. Alors j'ai pris cette voiture-là parce que personne, je l'ai jamais vue sur YouTube. Personne fait des courses avec. Alors moi je la ressors. En plus c'était le premier véhicule qu'on m'avait proposé. Alors je l'ai pris comme personne le sort ce véhicule. Ça fait très très longtemps qu'il est sorti mais personne le prend. Bon, le mec qui nous a fait passer par où là? Wow, c'est chaud. Wow, non, putain. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Wow, non, 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 pas dans l'eau, pas dans l'eau. C'est pas un sous-marin. Ils ont cru que ma voiture c'était un sous-marin. Mais non, ce n'est pas un sous-marin. C'est un chou-marin. Non, je rigole. C'était nul. Non, mais j'espère que les petites courses vous plaisent, hein. Parce que maintenant, vous allez soit avoir des courses, soit des matchs à mort avec des gens, c'est-à-dire peut-être vous les abonnés, peut-être des gens que je connais pas sur GTA, comme des gens tout simplement que je connais pas, comme il y a des abonnés que avant je jouais pas avec eux tout ça,
qu'on s'est rencontrés sur GTA et maintenant on est bien amis. Je vais dire un nom, mais après il y en a plein d'autres, je pourrais dire plein de noms, tout ça, mais la personne que je suis plus ami avec, parce qu'on se parle par Messenger, on a le Facebook, tout ça, juste en commençant par GTA. On jouait au début sur GTA, tout ça, on s'est parlé, tout ça, tranquille, on faisait mumuse ensemble. Et on s'amusait, hop, on s'est envoyé une demande d'amis, tout ça. Après, j'y ai dit, bah, je faisais des petites vidéos sur YouTube, tout ça. Après, il m'a passé son Messenger, moi j'ai passé le sien, voilà, ainsi de suite. Le prénom, c'est Johnny. Un gros coucou à toi, Johnny. Voilà. Alors là, je marque la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao!